Salut à tous et à toutes, c'est Psycho 17, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tour de la Melting Cup. Je dois jouer face à Amslo, le skiller. Mon chat, bien évidemment, me soutient à 100%. C'est une blague. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Il y a eu des changements sur l'équipe. C'était compliqué. Il y a des erreurs qui ont été commises au bout d'un moment. Il y a des erreurs qui ont été commises. Donc comme vous le savez, à la base, j'avais Ronaldo ici. Ronaldo a été mis en vente. Donc du coup, je ne l'ai plus. Donc on va jouer avec Gattuso. On va jouer avec une équipe en 4-3-3. Jamais joué cette compo, mais on va voir ce que ça donne. Et du coup, voilà. Sinon, c'est les mêmes joueurs. On a juste changé notre icône ici. On va voir ce que ça donne. Les remplaçants ne peuvent pas rentrer. Donc de toute façon, on s'en fout un petit peu. Et on va jouer contre Amslo. Je ne sais même pas ce qu'il a fait au premier match. Mais on va voir. C'est le premier match ici. Allez voir le second match sur sa chaîne à lui. Du coup, ce sera dans la description, bien évidemment, hein, si vous voulez aller voir. Et nous, écoutez, on va essayer de faire bonne figure et de pas trop se faire encouler. Et il me semble que dans son équipe, il a pas mal de bons joueurs aussi, donc du coup, ça va être assez intéressant. Et puis voilà, je sais même plus comment faire. Oui, match amico, je crois qu'on doit faire. Je sais même plus comment on joue contre les gens, moi. Affronter un ami, bah pourquoi pas. Amslo. Hors ligne, mais je pense que ça devrait passer. Match classique. J'aurais peut-être dû faire un ballon mystère. Peut-être j'aurais eu une chance en vrai. Mais je prends le premier match, les gars. Le deuxième match sera sur sa chaîne. Et on va voir. En plus, j'ai fait une magnifique faute d'orthographe dans mon nom d'équipe. Ça s'appelle Melting Cup. Ce qui est un petit peu con, mais ce n'est pas grave. On l'a invité. On attend qu'il vienne. Et ensuite, bah, on verra ce qui se passe, quoi. Alors moi, je stresse pas. Moi, j'attends juste qu'il vienne. Moi, vous savez. En fait, dès qu'on a eu le reveal des équipes, j'ai tout de suite compris que j'avais fait une grosse bêtise en me disant « Bon, allez, on va faire un petit truc fun. » Quand j'ai vu le reveal des équipes, j'étais là « Ah, Mbappé Neymar. » Ah merde, c'est Amslo FR2. Putain, merde, c'est pas du tout le bon que j'ai invité, en fait. Oh, parfait, il est là. Je suis à domicile. Bah, vas-y, je vais jouer en blanc, du coup. Parce que bon, bah... Bah, bien sûr, tu prends deux maillots qui se confondent avec le mien. Je peux pas jouer dans mes couleurs. Ça va pas, ça. Appelle Steph, super. Moi, je suis pas sûr que Steph... Je pense que les deux, on se fait enculer. Hein. Donc, si vous connaissez pas Amslo, ça m'étonnerait énormément. Mais allez le suivre sur YouTube. Vraiment un YouTuber très sympa, des concepts vraiment cool. Et surtout, quelqu'un qui joue d'une façon très, très spéciale par rapport à ce que tout le monde fait sur FIFA. Donc, c'est très agréable. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Et on espère qu'il va nous démontrer tout son talent sur ce match-là. Imagine, tu fais le Nolos Glitch. Imagine, oh, j'ai une déco, Amslo, je suis désolé. Je perds 5-0, mais non, pas du tout. Non, non, parce que c'est toi qui as perdu la cause, c'est pas moi. Je crois que je joue en ultra défensif, je sais même plus. Allez, on a dit que notre but à nous, c'était de marquer avec nos joueurs bronze et nos joueurs silver. Donc on va voir ce que ça donne et on va se marrer un peu, quoi. Voilà, c'est un peu le but du jeu. Superbe première passe, on apprécie. Ah oui, mais attends, faut pas que je passe sur mon côté gauche, moi. Moi, il faut vraiment que je joue de l'autre côté plutôt. Parce qu'au moins, de l'autre côté, c'est silver, tu vois. L'autre côté, j'ai des silver, ce qui peut être quand même un petit peu plus logique. Alors, ça va skiller. Donc en fait, je me dis, est-ce que... Enfin, on le laisse, mais est-ce que, tu vois, je défends moins hardcore en mode moins 2L2. Mais je pense que, bon, il doit quand même enculer tout le monde. Donc je pense même pas qu'il y aura besoin de... Parce que je me souviens que, tu sais, quand tu joues en skill, c'est vrai que quand tu joues contre un mec qui défend en tempo tout le temps, c'est très compliqué. Ah bah on sait qu'il a un gardien bronze, c'est peut-être la seule chose sur laquelle on peut miser pour essayer de marquer un but. Et on a Harry Kane aussi. C'est les deux conditions qui devraient être réunies pour pouvoir marquer un but. On va voir un petit peu ce que ça donne et voilà. Hein. Ah, on voit. Ah, bah vas-y pas, bah non, vas-y. Il n'y a pas de souci, hein, Mbabou. Ne prends pas la balle, laisse-le faire. Laisse le magicien opérer. Je comprends que tu aimes bien regarder, mais tout de même... Au bout d'un moment, il faut prendre la balle. Allez hop, construction. Le seul but, c'est de monter la balle gentiment, d'arriver vers les 16, trouver Harry Kane, et après la magie opère. Normalement, Harry Kane, la magie opère. Hein. Voilà, Harry Kane, la magie opère. C'est Harry Kane, quoi. C'est Harry Kane. Bon, je vais pas laisser ce but somptueux, mais c'est Harry Kane, quoi. Et clairement, la grosse erreur d'Amslo qui a fait comme moi, c'est qu'on n'a pas mis un gardien or au goal. C'est un petit peu compliqué. Mais 1-0 pour l'instant. Et ça commence exactement comme le tour d'avant. Mais ça veut pas dire qu'on va gagner. Je vous le dis, bien évidemment. Là, ça part. Oh là là. Oh là. J'ai envie de faire des olés à chaque geste. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Oh, bon, ça, c'était sûrement raté. C'était sûrement une fin de frappe ratée. Moi, je les connais bien, celle-là. C'est mon geste que je maîtrise le mieux. Hein, donc, il va pas me la faire à moi.
Hop là, la passe en retrait, la passe à Harry Kane, la passe en profondeur. Et alors là, mon gars, tu le revois pas, c'est Yago. Hop, hop, hop. J'ai fait un dribble à Hamslo. Oh, le centre. Oh, c'était pas si loin que ça. Et franchement, il y avait de l'idée. Bon, après, j'avoue que j'ai un petit peu trollé sur me dire que centrer au deuxième poteau, c'était bien. Mais après, j'ai mis un petit coup. À la base, je voulais juste centrer pour Harry Kane. Oh, bien joué. Oh, la petite passe. Oh, somptueux. Bravo à lui. Le génie anglais contrôlé par le meilleur joueur suisse. Non, laisse-moi tranquille. Ah bah oui, après, mon côté droit de défense, il n'y en a pas. Hein, donc, si je peux donner un conseil, c'est de passer par là, hein. Il va se rendre compte très très vite que ouais, c'est un petit peu compliqué. Il fait pas de double contact, Harry Kane, maintenant ? Yago ! Oh, la frappe ! Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de la puissance, c'était solide. Putain, mais j'ai l'impression que mon latéral, il monte vraiment énormément. À la mi-temps, on va mettre pause pour aller un peu aller checker au niveau de la tactique. J'ai peut-être oublié de faire ma tactique, hein, les potes. Il me semblait que je l'avais faite. Je l'ai faite sur le live, les gars. Je me souviens plus. Il me semblait que je l'avais faite, ma tactique, mais peut-être je me trompe. Hein. Ouais, il est hors jeu, hein, j'imagine. Ouais, il est hors jeu. Ouais, il est hors jeu. Ouais, non. Dommage. Bon, ça va, on tient, hein, on tient, là, malgré les gros joueurs, ça va, je suis content, c'est serré, c'est normal. On va vérifier la tactique perso, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai pas du tout de tactique. Ah, pourtant, il devrait rester derrière. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, tu sais quoi, on va mettre attaque équilibrée à lui, hein. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il monte énormément, quoi. Dommage, Harry Kane! Ah ouais, mais dès qu'on a Harry Kane, on a envie de frapper, hein. C'est normal. Ah ouais, non, eh oh, hein? Pas non plus déconner. Allez, le Silver! Allez! Oh, dommage, j'y ai cru. Ah, je vous jure, hein. Essayez, hein, chez vous, de jouer avec des Silver. Ah bah là, je le rattraperai jamais, là. Ah, si, parce que la stat de vitesse de Angulo était quand même assez impressionnante. C'est la seule stat qui m'a intéressé sur le côté, c'était qu'il court, parce qu'il fallait peut-être rattraper des mecs qui partaient, quoi. Du coup, c'est ce qu'il fait de mieux. Donc ça, on peut pas trop lui reprocher. En tout cas, tenir ces joueurs-là avec des joueurs bronze et silver, je suis pas peu fier. Oh là 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 là, c'est pas ce qui devait être si simple. Ah, je reconnais ça. Ah, je reconnais. Heureusement qu'en défense, ça tient un peu le coup. On va pas passer Kanté, ça c'est sûr. Ah, de toute façon, il faudra bien prendre le deuxième à un moment. Voilà, là par exemple. Ouais, le 90e quoi. Arrête de tryhard, Hamslo, je joue en mode détente. Ah ouais, bah c'est vrai que je tryhard de ouf. Oh les gars. Bon, petit 3-1 pour la forme. Double 90e, ce serait quand même logique. Parce qu'on connaît le jeu. Bon, bah tant pis. Bah écoutez, bien joué en tout cas, hein. C'était un match serré. Après c'est vrai que bon, bah les choix qu'on a fait, il y a des erreurs qui ont été commises, hein, mais bon. On joue comme ça, on se prend deux buts, je pense qu'il y en a un qui est évitable, tu vois. Bon, le but d'Harry Kane, on sait très bien que c'est parce qu'il a un gardien qui est dégueulasse, donc on sait qu'on peut frapper. Après bon, contre n'importe quel gardien, je pense qu'Harry Kane marque ce but-là, normalement. Ensuite après, on a l'invalidé, hein, qui est un but sur hors-jeu. Hors-jeu à ce moment-là, tac. Malheureusement, hors jeu de position. Donc, une logique que ce soit annulé. Et on a le but de Neymar ici, hein, qui est tout simple. Hein, c'est-à-dire que là, ça part sur le côté, je peux pas trop suivre. Et après, bon, bah la petite passe, tu connais. Hein, le but que les gens appellent PES, mais c'est des buts quand même compliqués à mettre si... C'est-à-dire que t'as créé une action et t'as créé un décalage. Et le dernier but, bon, bah là, là c'est un petit peu con, parce que c'est quand même mon meilleur joueur défensif qui doit avoir la balle là et qui ne l'a pas. Et derrière, bon, bah on se prend le but. Bien joué à lui! Ma foi, c'est tant pis, et on va se dire au revoir. Nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller jouer le deuxième match, mais ce sera sur sa chaîne à lui, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, et on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a, malheureusement, bon, on n'a pas une équipe de ouf. La prochaine fois, on fera plus logique. Prenez soin de vous, les potes, en tout cas, allez vous abonner à Hamslo, allez checker, et moi, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, c'était Psycho, ciao.